Bonsoir à tous, Aris. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter la démarche SIGA ce soir que nous avons initiée en 2016 avec des scientifiques, que nous avons proposée et validée auprès de premières enseignes et industriels en 2017 et que nous souhaitons généraliser et amener au grand public en 2018. SIGA parle de qualité alimentaire. Donc on a cinq dimensions dans la qualité alimentaire. On peut regarder la qualité selon l'angle économique. On va regarder la distribution de valeur dans les filières, de la fourche à la fourchette, c'est dans les conclusions des états généraux de l'alimentation. On peut regarder la dimension environnementale, où on va regarder la production bio, l'utilisation de pesticides, les émissions carbone. On pourrait aussi regarder la dimension du bien-être animal, avec les méthodes de production, d'alimentation, d'abattage. On a aussi une dimension qui est celle de la nutrition, qui est le plus souvent mise en avant quand on parle de santé. Donc on va regarder le nombre de calories ingérées pour quelle quantité de gras, sucre, sel, protéines ingérées correspondantes. Et il y a une cinquième dimension qui est le moins citée, pourtant prépondérant quand on parle de santé, qui est celle liée à la transformation. Donc quel est le process que j'applique aux aliments et aux ingrédients que je vais consommer. Donc si je prends une pomme, un fruit par exemple, quand je vais la manger, je vais la mastiquer, je vais stimuler les hormones de satiété et je vais en ingérer patiemment les vitamines, minéraux et sucres. C'est un aliment qui participe d'un régime alimentaire dit protecteur et bénéfique pour la santé. Maintenant, cette même pomme, je peux la chauffer, la mettre en purée, en faire une compote ou je peux la mettre en jus. Bah, quand je la mange, je vais avoir une assimilation qui est totalement différente avec une augmentation de la glycémie, et en tout cas je vais avoir un effet satiétogène plus faible et je vais avoir tendance à en consommer plus. L'État ne s'est pas trompé dans les recommandations du PNNS, sur les 5 portions de fruits et légumes par jour, on ne peut le substituer qu'une portion par du jus de fruits. C'est dans le PNNS. Maintenant si je reprends ma pomme, que je la réduis à un état de concentré ou de sirop, on peut en l'amener jusqu'à du fructose en l'hydrolysant, bah, à calories pourtant égales, là je suis face à un ingrédient que l'on retrouve dans des aliments qui participent d'un régime alimentaire dit délétère pour la santé. Donc il y a un certain nombre d'études épidémiologiques, les plus récentes, elles établissent des corrélations fortes entre consommation d'aliments ultra transformés et développement des maladies chroniques. On estime qu'au-delà de 13% de consommation d'aliments ultra transformés en apport calorique, on s'expose au développement de diabète de type 2, de surpoids et donc de maladies cardiovasculaires et autres cancers. Même le régime végétarien, pourtant protecteur pour la santé, se révèle délétère sur une alimentation trop transformée. Donc on a développé, avec des scientifiques, une classification qui vient évaluer le niveau de transformation des articles distribués. Donc je commence avec du lait, je vais le fermenter, j'en obtiens un yaourt. Dedans, je peux rajouter de la crème ou du sucre ou de la confiture. Je peux aussi rajouter des arômes, des extraits, des épaississants, des exhausteurs, du sirop de glucose, etc. etc. Bah, je suis parti de quelque chose de peu transformé pour l'amener à quelque chose d'ultra transformé. Cette classification, elle sert de dénominateur commun aux initiatives menées par les industriels et distributeurs, dont Franprix fait partie, qui souhaitent améliorer le potentiel santé des aliments distribués. Actuellement, on estime à 50% la part de produits proposés dans les rayons qui sont ultra transformés en France. Ce taux monte à près de 80% dans les pays anglo-saxons. Nous souhaitons une alimentation saine partout et pour tous. Les notes des produits les plus délétères, elles sont exclusivement destinées aux professionnels, industriels, distributeurs. Elles les aident dans le cadre de formulation et reformulation pour améliorer le potentiel santé des aliments. On n'est pas anxiogène, on ne souhaite pas baliser de orange ou de rouge les articles les plus délétères. On souhaite en fait recréer une expérience décomplexée telle que celle qui est vécue dans les rayons bio, dont nous félicitons d'ailleurs les industriels pour leur engagement environnemental. Très concrètement, on a créé un espace où viennent se connecter les industriels, ils renseignent les informations de leurs produits, on restitue des évaluations commentées, les distributeurs viennent se connecter et eux peuvent du coup substituer des articles pour des produits moins transformés et donc de meilleure qualité avec un potentiel santé amélioré. Ils partagent aussi sur cet espace leur objectif de répartition dans l'objectif d'évaluer l'offre alimentaire d'aujourd'hui et de co-créer l'offre alimentaire de qualité de demain. Le temps passe effectivement très vite.
J'aurais adoré pouvoir vous présenter les membres de notre comité scientifique, le docteur Anthony Fardet, chercheur à l'INRA, grand représentant de ce nouveau paradigme en alimentation, le docteur Sylvie Davidou, qui est maître de conférence au CNAM, le docteur Céline Grison, qui a créé un cabinet de conseil en formulation et reformulation. Je m'associe avec eux et je m'associe à nos partenaires industriels, distributeurs, pour vous remercier et remercier le Digital Food Lab de nous avoir invités.